Que devient une soignante qui ne peut pas se soigner? Une femme qui porte sur ses épaules ceux qui n'arrivent plus à marcher, alors que ses jambes ne la portent plus. Une guerre s'est déclarée en moi. Rien n'est visible, mais c'est là, silencieux, à attendre de lancer ses cris. Alors, vos examens? Oh, on est vraiment obligé d'en parler. Bah oui, Ah, pour moi, ça s'est bien passé, tous mes résultats sont positifs. Ah, vous avez déjà reçu les résultats? Ça se voit à sa tête, non? Et alors? Franchement, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur l'épidémiologie. Ben oui, qu'il y a deux femmes pour un homme touché, que plus tu t'éloignes de l'équateur, plus t'es à risque. Puis après, j'ai eu des questions sur les différents types de douleurs. Franchement, j'avais hyper bien révisé. Cool, c'est bon, tu vas pas nous faire un cours, là, quoi. Oh, on est là pour faire la fête, non? Non, le temps ne s'arrête jamais. Il va indifférent à tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voyager dans le temps. Comment il était, comment il ne sera jamais. Mais le temps continue sa course, comme le galop d'un cheval aveugle. Et moi, je regarde un océan de gouttes suspendu au-dessus de ma tête. Mais c'est moi ou ça fait un moment que la serveuse elle arrive pas à passer. Pourquoi ne bois-tu pas ton verre? Quoi? Finis ton verre. Non. Non. Elle ne sait pas contre qui elle va se battre. Elle, qui me regarde. Comme si j'étais sa pire ennemie. Comme si j'étais maligne. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas, hein? On reste seuls, toi et moi. Si tu te débarrasses de moi, on va partir ensemble. Elle m'écoute, me répond. Elle ne me croit pas. Non, personne ne va gagner. Il n'y aura pas de vainqueur. Bon alors, on y va? Mais maintenant, t'as pas entendu le coup de tonnerre qu'il vient d'y avoir? Il va pleuvoir? Mais avant tout ça, je chercherai vos épaules.